Yoga Sutra de Patanjali. Traduction de Jean Bouchard d'Orval. Introduction. Une révélation magistrale. Il existe une façon sûre d'arriver à la plénitude de la vie. Connaître ce qui nous limite, voir au-delà, et savoir y parvenir. Voilà ce que l'on trouve dans les Yoga Sutras de Patanjali, aussi appelé Patanjali Yoga Darshana, ou la vision de l'unique de Patanjali. Ce recueil de 195 aphorismes est sans doute l'un des plus anciens et des plus importants textes à jamais avoir été rédigé sur la réalisation spirituelle. Consigné par écrit il y a plus de 2000 ans, cette antique tradition conserve néanmoins toute sa vigueur et sa fraîcheur, car elle décrit un cheminement qui transcende les cultures, les religions et les époques. L'assimilation et la mise en pratique de la science de Patanjali libèrent l'homme de toute forme d'asservissement, de peur, de stagnation, de confusion et de souffrance. Il décrit comment la lumière de notre nature véritable fait son chemin dans ce que nous appelons notre vie. Cet enseignement constitue une sorte de rapport d'expérience. Le lecteur est invité à la reproduire et à en vérifier personnellement la rigoureuse exactitude et la pertinence sur le chemin de la libération définitive. La vision de l'unique de Patanjali constitue un véritable petit traité destiné à baliser la voie à l'intention des chercheurs spirituels. Remarquable de concision, de profondeur et de pertinence pratique, cet exposé magistral nous mène bien au-delà des mots. La plus formidable sagesse s'y trouve distillée en courtes et puissantes sentences. Patanjali décrit le mental humain d'une façon profonde et réaliste. Il brosse le tableau de la réalisation spirituelle, décrit les étapes de la méditation, souligne les obstacles et la façon d'y faire face, explique les transformations et les pouvoirs surnaturels du mental purifié et nous mène directement vers l'accomplissement ultime de l'évolution. Les enseignements des grands maîtres sont souvent enrobés de paraboles ou rapportés dans un langage littéraire. Les aphorismes de Patanjali, pour leur part, décrivent la charpente de ces enseignements. Ils ne sont pas rédigés dans un style fleuri, mais rapportent des faits tels qu'ils sont. Même s'ils nous viennent de l'Inde, ils ne font jamais référence aux déités ou aux rites et croyances de cette contrée. Tant dans leur essence que dans leur langage, ils demeurent universels et ils entrent en résonance partout dans le cœur des hommes de bonne volonté. Le fait que la tradition qui nous les rapporte soit demeurée si vivante durant tout ce temps et qu'elle ait fourni à l'humanité des lignées ininterrompues de maîtres spirituels nous offre une bonne garantie que le texte n'a pas été remanié ou altéré. Mais la meilleure garantie demeure encore que l'on peut vérifier personnellement que tout ce qu'avance Patanjali est parfaitement exact. Il en va d'ailleurs de même avec le superbe évangile selon Thomas, une grande partie des évangiles canoniques et tout autre texte inspiré. Ce genre de certitude dépasse de loin tous les arguments des exégètes de toutes les époques et de tous les pays. Tous ceux qui ont commencé à voir clair en eux-mêmes se retrouve sans peine dans ses révélations. L'idée de fusionner l'expression de l'Orient avec celle de l'Occident sera toujours vouée à l'échec. Il n'y a ni Orient ni Occident. Il n'y a que la connaissance. Il s'agit de rendre plus accessible cette partie inestimable du patrimoine de l'humanité et de souligner l'universalité de la vision de l'unique. Cela est de nature à préciser et à articuler les fragments qui nous restent de l'enseignement de Jésus, dont la figure demeure toujours centrale dans l'histoire de l'humanité en général et de l'Occident en particulier.
tout au long de la montée vers l'être décrite par Patanjali, il se dégage une atmosphère réaliste, sereine et même joyeuse. Voilà encore un aspect que ceux qui ont été exposés à la tradition judéo-chrétienne peuvent aborder avec un grand profit. La tristesse, l'amorosité, la culpabilité, les remords, les pleurs et les grincements de dents, la maladie, la pauvreté, la misère, la mort, la peur et la souffrance ne nous font aucunement progresser vers la réalisation spirituelle. Un esprit se complaisant dans tout cela dénote moins la sainteté que l'insalubrité mentale. Nous sommes tous fondamentalement divins, et le propre du divin est la joie parfaite. Celui qui connaît sa nature véritable sait compatir avec l'humanité souffrante mieux que quiconque, puisqu'il est un avec la vie. Mais il n'est jamais ému, au sens originel du mot, c'est-à-dire amené hors de lui-même, au point d'oublier la réalité de tout être qui, elle, ne souffre jamais. C'est même justement parce qu'il ne l'oublie jamais qu'il est en mesure d'aider efficacement celui qui a oublié et souffre. Saint Matthieu, dans son Évangile au chapitre 5, verset 13, nous dit « Si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on ? » La philosophie de Patanjali risque parfois de dérouter, surtout si l'on s'attend à retrouver le style de philosophie auquel on nous a habitués depuis des siècles en Occident. On ne débat pas de la véracité des aphorismes de Patanjali. On ne les réfute pas, non plus qu'on les accepte sans examen. On doit d'abord et surtout les vérifier en soi. Seul un esprit peu dégrossi se permet une discussion des aphorismes sans d'abord méditer. L'œuvre de Patanjali ne mène pas à l'argumentation, mais plutôt à la vérification expérimentale par l'expérience directe de la réalité. C'est justement cela qui manque depuis toujours à l'Ouest. On ne risque pas de se tromper en avançant que la presque totalité de la philosophie occidentale, avec de notables exceptions que l'on pourrait compter sur les doigts d'une seule main, ne mène vraiment pas à l'illumination. Les Grecs, du temps d'Héraclite et de Socrate, les Hébreux du temps de Jésus et les penseurs maladroits du XXe siècle ont tous ceci en commun qu'ils n'ont pas su apprécier à leur juste valeur la parole qui leur était adressée. La parole ne s'interprète pas, elle se savoure et se médite. On la discute dans le respect de l'esprit, c'est-à-dire dans le but de créer un espace méditatif, là où la connaissance lui. Mais voilà, qui sait méditer la parole? C'est ici que les aphorismes de Patanjali peuvent jouer un rôle inestimable, en amenant le chercheur à une pratique concrète qui dissipe les nuages et permet à la clarté de nous atteindre. Seule la pratique peut sauver l'homme. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » que l'on entrera dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, nous dit Jésus. L'exposé de Patanjali peut également plonger les esprits linéaires dans l'insécurité. L'apparente sinuosité du texte et les fréquents retours à des sujets déjà abordés, toujours en les approchant d'un angle différent, n'ont rien pour réconforter les intellects frileux et terrorisé par les grands espaces ouverts. Mais ce qui semblera encore plus étonnant à l'œil ou à l'oreille habituée aux raisonnements impeccables, ce sont les apparentes contradictions internes, les ambiguïtés que l'on rencontre ici et là dans le texte, ou du moins l'espace ouvert à l'interprétation. Le style choisi, les aphorismes, représente certes une terre de prédilection pour cela. L'ambiguïté de surface et les contradictions que le cerveau linéaire s'explique mal ne se rattachent pas particulièrement à une tradition plutôt qu'à une autre. Tout maître spirituel s'en sert abondamment.
La méthode socratique s'en prévalait aussi, en menant des entretiens qui se dirigeaient vers des impasses, vers des apories. Jésus maîtrisait ce grand art, et les maîtres zen s'en sont toujours délectés. De toute façon, l'antinomie apparente de plusieurs sutras montre combien cet enseignement respire la vie et révèle une tradition orale destinée à être offerte par un maître compétent. La connaissance véritable ne peut resplendir qu'à condition de mener la pensée à l'aporie, sorte de silence respectueux qui se réfère au concept de Nirodha, la cessation, de Patanjali. À l'occasion d'un entretien qui demeurera sans doute l'un des joyaux de la pensée véritable, le philosophe Martin Heidegger et un maître japonais, d'ailleurs appelé un japonais dans le texte, eurent ces remarques délicieuses sur l'aporie. Le japonais. Pour nous, il ne paraît pas étrange qu'un entretien laisse dans l'indéterminé ce que l'on a proprement en vue, plus encore, qu'il le ramène à l'abri dans l'indéterminable. Heidegger. Cela fait partie, à mon avis, de tout entretien réussi entre gens qui pensent. Un tel entretien a, comme de soi-même, pouvoir de prendre garde à ce que non seulement cet indéterminable ne s'échappe pas, mais que, dans le cours de l'entretien, il déploie de façon toujours plus rayonnante sa force de recueillement. L'aporie permet l'abandon au divin, dont Patanjali parle en mains endroits de son recueil et qui demeure l'étape capitale de toute démarche spirituelle. C'est le saut nécessaire avant d'être touché par l'éclaircissante grâce. La pensée doit d'abord s'étonner, être stupéfaite, avant de lâcher prise et de naître à nouveau, comme l'expliquait Jésus à Nicodème. L'homme, quand il met ce qu'il veut nommer à l'abri dans l'indéterminable, est celui qui nomme vraiment. La communication fructueuse établit un espace de recueillement où la lumière fait son œuvre. Tout doit être subordonné à cela, du moins tant que l'on vise à un entretien réussi. Or, nous sommes tous venus sur Terre pour participer à un entretien réussi. L'entretien, c'est ce qui se tient entre. C'est cela qui est. C'est cela qui se tient entre les personnes, entre les mots, entre les pensées. C'est l'espace pur et infini que l'on peut nommer présence. Nous sommes venus réaliser que nous sommes cette présence et qu'il n'y a que cela. Les aphorismes de Patanjali furent conçus d'abord pour être entendus. D'ailleurs, toutes les traditions spirituelles de l'humanité furent d'abord orales avant de devenir écrites. Les sutras constituent donc des formules lapidaires qui résonnent dans l'espace et frappent l'esprit. L'économie de moyens confère à ce style une indéniable élégance. On doit aussi se rappeler que de telles sentences avaient pour but d'ancrer la connaissance dans l'esprit de gens, pour la plupart illettrés. La propagation de la tradition tient pour acquise la présence d'un maître vivant. L'enseignement demeure ainsi lui aussi vivant. Le meilleur exposé devient rapidement lettre morte si l'on ne maintient pas une tradition de maître vivant, non pour le propager, le commenter ou l'expliquer, mais pour déployer la grâce éclairante qui resplendit à la source de tout exposé heureux. Les exemples ne manquent pas pour nous montrer ce qui arrive lorsque les plus beaux fleurons de la communication spirituelle tombent aux mains de commentateurs confus ou d'intellectuels qui ont des articles de foi et des dogmes à soutenir à tout prix. Méditation, abandon au divin, ouverture du cœur, aporie, saut dans la grâce. Autant d'expressions pour nommer ce mouvement conscient qui laisse derrière lui à la fois les certitudes du mental et les incertitudes de l'errance.
L'enseignement de Patanjali se transmet mieux de vive voix, car il ne peut être solidifié à jamais dans l'écrit. Comme tout enseignement authentique, il demande aussi à être vérifié par le chercheur spirituel. On le vivifie par la pratique. Or, c'est justement l'un des objets du Patanjali Yoga Darshana, d'indiquer en quoi cette pratique consiste. Un mot au sujet de la langue. Les aphorismes ont été transmis et rédigés en sanskrit, l'une des langues issues du vieil indo-européen, tout comme le vieux persan, le grec et le latin. Le mot sanskrit signifie « correct », « juste ». Cette langue antique et vénérable ajoute au sens de ce qui est dit ses vibrations profondément justes pour l'âme. Le sanskrit constitue une langue sacrée. Nous ne savons que très peu de choses sur l'auteur. Nous ne sommes même pas sûrs qu'il s'agissait d'un seul auteur. Le texte a probablement été consigné par écrit au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais là encore, cela demeure vague. Le fait que nous ne connaissions pas avec certitude l'identité de l'auteur des Yoga Sutras et encore moins sa personnalité, est typique des textes et de l'art sacré, et vient souffler sur notre époque comme une brise rafraîchissante. De toute façon, il semble que Patanjali, peu importe son identité, fut un sage qui fixa par écrit une antique tradition orale. Cette tradition s'est par la suite enrichie, au cours des siècles, de commentaires variés, auquel le style très concis des sutras se prête on ne peut mieux. La démarche de Patanjali, même si elle expose la vision de l'unique, demeure dualiste dans sa forme, en ce sens que l'auteur tient pour acquise la réalité du mental par rapport au soi. Cette approche a la vertu de se mettre d'abord au niveau de l'humanité errante et trébuchante, pour l'accompagner dans sa marche vers sa vraie nature, immortelle et bienheureuse. Telle fut aussi la méthode du Bouddha et du Christ, du moins d'après les textes et la tradition qui nous les décrivent. Il s'agit d'une approche pratique et non d'un point de vue philosophique. On peut comparer les Yoga Sutras au rapport d'expérience d'un chercheur scientifique. Après les quatre sutras inauguraux, Patanjali se donne à la tâche de décrire ce qu'un être humain, qui se croit encore un simple être humain, peut accomplir pour réaliser sa nature véritable. Il n'est pas question, dans les Yoga Sutras, de décrire des techniques compliquées. Le chemin vers le simple est simple. Tout pointe vers la clarté qu'apporte la méditation. Clarté qui seule permet de mettre fin à l'ignorance, de laisser notre nature véritable resplendir et d'éclairer tous les aspects de notre vie, ce qui constitue la libération. L'Inde recèle une quantité tout à fait renversante de textes sacrés ou philosophiques, et les érudits ont fort à faire pour tout classer selon des écoles de pensée. Cette tendance de l'intellect à tout vouloir étiqueter, tout utile qu'elle puisse être, tourne souvent à la manie, et alors beaucoup de temps et d'énergie sont perdus à définir, décrire, circonscrire et comparer les écoles de pensée et leurs sectes. Les bibliothèques du monde entier se sont engorgées par l'affluence de textes d'écoles tentant de réfuter les hérésies des autres écoles. Les discussions peuvent être parfois éclairantes, mais croire que la plupart des systèmes philosophiques de l'Inde s'opposent et s'excluent mutuellement dénote une vision très courte. Cela est souvent le fait d'intellectuels qui ne sont pas allés jusqu'au bout du questionnement. Les interminables et ennuyeuses querelles entre bouddhistes et hindous et entre les diverses tendances de ces grands courants depuis plus de deux millénaires démontrent que l'esprit linéaire s'est bien porté à toutes les époques. Ainsi,
on a souvent opposé les voix dites non-duelles ou voix abruptes à celles réputées duelles ou progressives. Une telle opposition est, la plupart du temps, injustifiée et procède d'une demi-connaissance de la réalité. Dès que nous exprimons une idée, nous nous limitons. En ce sens, même les formulations qui se flattent d'être non-duelles sont duelles, en plus de souvent se montrer en même temps prétentieuses. Ce qui compte, c'est l'arrière-plan, duquel tout vient et vers lequel tout tend. C'est cela et rien d'autre qui est non-duel, c'est-à-dire réel. La formulation peut faire signe en direction de cet arrière-plan non-duel, mais elle n'y a jamais accès. Rien, ni personne, n'y a accès. Patanjali est de ceux qui font signe, tout en ne craignant pas d'admettre la réalité du mental et de la manifestation en général. Mais cette admission est toujours pédagogique. Aucun maître n'affirme quoi que ce soit en valeur absolue. C'est impossible. Toute formulation a valeur strictement pédagogique pour un auditoire particulier. Les Yoga Sutras empruntent souvent le langage dualiste du Samkhya, une des écoles philosophiques de l'Inde, dans ses descriptions, entre autres, en ce qui a trait à Purusha et Prakriti, le soi et le monde. De plus, il énumère, au deuxième chapitre, tout ce que nous pouvons favoriser dans notre vie pour que l'ignorance relâche son emprise et que notre système nerveux soit à même de soutenir l'intense lumière de la connaissance. Le Bouddha a fait de même. Un instructeur honnête, réaliste, alerte et compétent ne s'abrite pas sans cesse derrière des slogans non-duels. Bien sûr, la réalité est une, sans aucune autre, mais ne négligeons pas les détails. Un de ces petits détails à ne pas négliger est la réalité de la souffrance humaine. La souffrance est un fait pour celui qui la vit, peu importe qu'elle soit entretenue par une prétention ou une illusion. Les Mahavakya, ou grandes sentences, n'ont jamais changé grand-chose à ce fait. Du moins, tant que l'être humain n'a pas été apprivoisé et qu'il n'a pas reconnu son véritable désir. Il n'y a, en fin de compte, que la voix abrupte, que l'éveil instantané. Mais aucun être humain ne peut expérimenter la libération définitive, c'est-à-dire la maturité de l'éveil, sans que cela ne passe par un désir intense. Penser autrement relève de la fantasmagorie, ou de la fiction qu'on peut parfois lire dans les livres. Le nœud du paradoxe apparent est que ce qui est efficient dans le désir, c'est le divin, c'est le grand vivant. La pratique, le désir de libération et l'énergie déployée à partir de ce désir n'ont rien de dualiste quand on en connaît le principe actif, qui n'a rien de personnel. Ce qu'on nomme la pratique est alors quelque chose de joyeux et léger, un jeu, un art pratiqué pour la joie. Patanjali insiste donc, dans son exposé magistral, autant sur Abhyasa, la pratique, que sur Vairagya, l'équanimité, qui est l'absence d'arrivisme ou la reconnaissance qu'il n'y a pas une personne qui se libère. La pratique ainsi conçue consiste à consciemment laisser le grand vivant être le grand vivant à travers ce que nous appelons « moi ». Le bouddhisme, dans sa forme originelle, et le yoga tel que formulé par Patanjali, se sont côtoyés en Inde. Leurs accents et leur pédagogie semblent parfois différents, voire éloignés, et le sens assigné à certains termes techniques comme dhyana, samadhi et samapatti, n'est pas le même, mais, somme toute, les deux traditions demeurent étrangement proches l'une de l'autre. C'est souvent une question d'accent mis ici plutôt que là.
Le texte lui-même se divise en quatre chapitres, appelés Pada, qui reprennent tous le sujet de l'illumination spirituelle sous un angle différent. Le premier chapitre, sur le Samadhi, inaugure une ère nouvelle dans la carrière des hommes et s'ouvre sous les auspices heureux du mot Atta, auquel correspond le mieux notre mot désormais. Patanjali définit ce qu'est le yoga, la nature infinie de la conscience illimitée et intemporelle. Il en donne une définition pratique et met en relief, tout au long de ce chapitre, ce qu'il entend par activité mentale ou fragmentation mentale par rapport à la cessation. Dans l'état de cessation, ou de yoga parfait, la conscience est établie dans sa nature véritable. C'est ce que nous sommes vraiment. Mais la plupart d'entre nous vivons au niveau de la fragmentation mentale, où la conscience s'identifie aux formes qu'elle assume. Après avoir décrit les diverses formes d'activité mentale, il nous introduit sans perdre de temps à la façon de passer de la fragmentation mentale à la cessation, Nirodha, grâce à la pratique soutenue et à l'équanimité, dont il nous dit tout de suite en quoi elle consiste. On décrit ensuite certains niveaux de conscience rencontrés au cours de la montée vers le Samadhi, l'état de conscience transcendant, où il n'y a plus qu'une seule réalité, et quelles sont les qualités nécessaires pour y arriver. À ce stade de son exposé, Patanjali traite de l'abandon au divin, le point culminant de l'aporie du chercheur, l'ouverture du cœur. On y décrit les obstacles rencontrés couramment, ainsi que plusieurs moyens de les vaincre. L'exposé du premier chapitre revient alors sur le pouvoir d'absorption du mental et sur le samadhi, pour se terminer brillamment sur le samadhi parfait, où le mental a été purgé de toute trace de dualité. Le second chapitre aborde en détail les aspects pratiques de la voie, ce qu'il convient de faire pour mettre fin à l'ignorance et accéder à la réalisation spirituelle décrite dans le chapitre précédent. Patanjali explique d'abord quelles sont les causes de souffrance et met en relief le mécanisme d'action-réaction qui fait que la plupart des humains semblent tourner en rond depuis toujours. Il nous décrit alors la manifestation comme étant le jeu des énergies fondamentales, les gunas, et nous parle de l'ignorance de l'homme, résultat du recouvrement de la conscience, le soi, par sa manifestation. La fin de l'ignorance est possible grâce aux 8 branches du yoga, qui rappellent l'octuple sentier du Bouddha. Le reste du chapitre décrit en détail les 5 premières branches, qui sont la discipline, les observances, l'assise, le pranayama et l'intériorisation, ainsi que les bienfaits pour celui qui devient fermement établi en elles. Le troisième chapitre décrit, entre autres choses, les formidables pouvoirs surnaturels de l'esprit en expansion. Ce chapitre est celui du déploiement du pouvoir de la conscience et poursuit l'œuvre du second en exposant les 3 dernières branches du yoga, recueillement, méditation et samadhi. Viennent ensuite quelques aphorismes fort importants pour la compréhension des pouvoirs surnaturels, où sont décrites les transformations de l'esprit et de l'univers en général. Suit la liste des pouvoirs surnaturels acquis par le mental recueilli. Ces pouvoirs semblent aussi incroyables au mental limité qu'a pu le sembler la physique quantique au physicien classique. Toutes les possibilités y sont présentes. Le méditant devient tellement un avec l'objet de sa contemplation qu'il peut tout connaître et commander à la nature. Cela ne va pas sans un sérieux avertissement de Patanjali sur le danger que peuvent représenter ces pouvoirs pour l'éventuel utilisateur qui les rechercherait pour eux-mêmes. Celui qui demeure concentré sur l'objectif final
voit s'ouvrir toute grande la voie vers le plus fin discernement, et la libération est désormais grande ouverte. Le quatrième chapitre sur la libération est, avec ses 34 aphorismes, considérablement plus court que les autres. Il nous sert une série de brillantes intuitions sur l'évolution, le cycle des désirs, le passé et le futur, le phénomène de la perception, le mental par rapport à l'esprit et l'établissement dans l'état de liberté absolue, couronnement de toute l'évolution. Le chemin qui mène du premier mot de Patanjali au dernier, c'est-à-dire de « atta », désormais, à « iti », ainsi, expose la vision de l'unique sans compromis et nous invite à demeurer établis dans cette vision parfaite, en clamant « désormais, il en est ainsi ». C'est le « ainsi soit-il » ou « amen ». Le mot « amen » de l'hébreu « amin » dérive du verbe « aman » qui signifie la certitude de celui qui ne fait qu'un avec. Cet « amen » est le cri de la joie mature, déployé dans toute sa vigueur et repris par tous ceux qui ont vu eux-mêmes la gloire de leur propre soi.